Alors voici, je vous partage le diaporama sur les frais de gestion des fonds communs de placement. Genre, les frais de gestion des fonds. Je vais recommencer le diaporama. Les frais de gestion des fonds communs de placement. Ce diaporama résume l'entrevue de Fabien Major, planificateur financier, diffusée à l'émission RDI Économie le 4 mars 2019. Selon M. Major, les frais de gestion des fonds communs de placement varient de 1 à 3 % selon le type de fonds. À titre d'exemple, les frais de gestion totaux d'un fonds commun de type équilibré sont de 2,09% en moyenne. Ils sont ventilés de la façon suivante. La société de fonds, 0,7%, l'administration, 0,21%, la firme de courtage et de conseiller, 1%, les taxes 0,17% pour un total de 2,09%. Il y a trois modalités de perception des frais de gestion, telles qu'illustrées dans le tableau suivant. Pour les fonds de la série A, les frais sont perçus lors de la vente. Ces frais peuvent être fixes ou dégressifs selon le nombre d'années de détention de 1 à 7 ans. Pour les fonds de la série B, les frais sont perçus lors de l'achat et peuvent aller jusqu'à 5 %. Pour les fonds de la série F, les frais sont facturés sous forme d'honoraires professionnels. Selon M. Major, les modalités de perception des frais de gestion influencent la durée de conservation des placements. En moyenne, les clients conservent beaucoup plus longtemps les placements lorsque les frais sont perçus lors de la vente, soit 7 ans, comparativement à 3 ans lorsque les frais sont perçus lors de l'achat et 2 ans lorsque les frais sont facturés sous forme d'honoraires. À long terme, la durée de conservation des placements influence le rendement net pour le client. Ainsi, pour un fonds conservé 10 ans, les frais de gestion seront perçus une seule fois, tandis que pour un fonds changé à tous les 2 ans, les frais de gestion seront perçus 5 fois. Le rendement moyen sur 10 ans est plus élevé pour les fonds de la série A qui sont conservés plus longtemps, soit 6,9%, comparativement à 5,3% pour les placements de la série B et à 2,9% pour les placements de la série F. En conclusion, à long terme, le fait de conserver un fonds de placement plus longtemps peut réduire les frais de gestion et augmenter le rendement net de façon significative. Alors, c'était le diaporama qui résume l'entrevue là, qui avait été faite par M. Major. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à ce propos-là sur les frais qui sont facturés pour les fonds communs de placement? Il ne semble pas y avoir de questions, c'est bien. Je me rends compte qu'on n'a pas fait le retour sur les sujets présenté lors des rencontres précédentes. Et je pense que c'est un point qui mérite d'être, peut-être de vous laisser un peu de temps pour aborder ces sujets-là. J'ai oublié de le faire dans l'ordre du jour, alors je prends maintenant le temps de le faire. Alors, j'aimerais vous demander s'il y en a qui ont des questions à poser ou des remarques ou des commentaires à faire sur les points qui ont été vus lors de la rencontre précédente, qui portaient essentiellement là, sur les outils de compilation des transactions qu'on a fait au cours d'une année. Vous vous rappelez que j'avais également envoyé, je vous avais mis à votre disposition des fichiers là, qui permettaient de faire cette compilation-là.